How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so Est-ce que vous avez déjà vu votre tête lorsque vous jouez à un jeu vidéo? Bon, par contre, une fois que t'as compris ce truc, bah, tu joues différemment. Salut tout le monde, c'est Toto de la PS1 pour son première série de la saison 3. On t'entend pas. C'est pas dramatique. Salut tout le monde, c'est Toto de la PS1 pour son première série de la saison 3. Accompagné de... De J59 des Spartan, au plus couramment nommé Dorian. Voilà. Je préfère qu'on me connaisse quand même. Pour un jeu que tu as déjà testé dans la première saison, je crois. Je m'en rappelle plus. Ouais. C'est un épisode spécial à toi quand t'as le deuil. Là, cette fois-ci, je vais pas faire la connerie parce que là. Mais parce qu'on avait déjà commencé à tourner, on avait trop de notes et tout. Et ce con, il a une nouvelle partie. Chargé. Fond pour 4 mémoires numéro 1. En évitant de bouger la chaise, ce serait déjà bien. Oui. Est-ce que tu vas tout dérouler. La clairière de la fée. Ah bah ça tombe bien, ce niveau est assez long donc on va pouvoir quand même. Je pense que. Bah attends, ça se trouve, c'est pas celui-là. Ouais, mais on a un temps limite hein, parce que YouTube sont quand même pas sympas. Bah tu mets X. X. Accepte, voilà. X, sans arrière-pensée s'il te plaît. J'ai rien dit. Alors attendez, on va essayer de mettre un compteur. Comment dire? Un compteur. Intéressant. Non. Un compteur de phrases malsaines. Un compteur de phrases malsaines, et là bon. On en a déjà une. Bon, on y va. Et on aura peut-être pas le temps de faire mon deal, niveau, on va essayer d'avancer un maximum. Voilà, donc bah. Alors pour la première fois, ce n'est pas moi qui joue, c'est lui. Je le regarde et je vais commenter. Eh oh, laisse-moi quand même faire mes petits trailers en même temps. Donc, appelez-moi tout simplement J59D Spartan aujourd'hui, pas Dorian. J59D Spartan. J59D Spartan. Bon bah, ça va juste être Spartan. This is Sparta! Voilà. Ouh, c'est long ça. Ouh, il y a longtemps que j'ai pas joué à ce bon jeu sur PS1. Ah oui, il y a pas le. Cool, il peut marcher sur l'eau. Mais non, c'est que l'eau n'est pas profonde, monsieur. Ah, mais bien sûr. Quelle caméra de double. De laissez pas par là. Ok, ça commence bien! On va passer une bonne journée, les amis, si vous voyez ce que je veux dire. Numéro 2.
Ah, mais c'était pas une phrase manette. La manette, cette manette qui n'a pas d'analogue, dont je ne suis pas habitué, me gave. Merci de votre compréhension. Ah, d'accord, tu vas directement là. Comment? Ah, nickel. Tu tapes. Et oui, trop fort! Trop fort! Bah, en fait, j'avais déjà joué à ce jeu, mais sur PC. Tu m'avais dit que tu l'avais adoré. Ah oui, bah, je l'ai adoré. C'était franchement l'un des jeux de plateforme que j'avais le plus apprécié dans ma jeunesse. Ouais, mais c'est un film, c'est un jeu. En fait, je l'avais découvert sur Dreamcast. Je crois qu'il y a une cage là-haut. Ah non, c'est là, tu l'as ouvert. Non, ouais. Tu l'as ouvert parce que tu y as déjà joué, je crois. Non, c'est toi, tu viens d'appuyer sur la manette, genre, Non, mais je veux dire, il y a une cage. Ah, oui. Attention, le toboggan. Non, il y a déjà le checkpoint à récupérer. Ah, oui, c'est vrai. Si je veux pas crever comme. Continue le trailer. Ah, non, mais c'est pas un checkpoint. Bon, d'accord. Oui. Ah, oui, c'est vrai, le checkpoint, c'est. Ah, bah si, il est là. Il est là, bah, on peut pas l'éviter. Ah, oui, mon trailer. Donc en fait, je commence déjà à faire ma chaîne, bon ce sera pas dans ton genre. Je ferai toutes mes annonces sur un jeu qui s'appelle Flight Simulator, bon pour ceux qui connaissent, hein, je suis déjà futur pilote. C'est-à-dire ceux qui sont contraires de moi en gros. Voilà, et en fait je ferai des podcasts, j'ai déjà mes idées. Mais en fait ma chaîne va être montée là-dessus, donc mais je sais pas du tout parce que bon ma mère faut qu'elle se décide quand même à me prêter son Coolpix pour que je puisse filmer et tout. Faut que Fraps marche aussi pour que je puisse faire mes annonces. Double saut sur champignon hier à la Wagon. Et enfin bref bah voilà quoi, ça va être un petit peu long à pouvoir tourner. Putain j'arrive plus à parler. Ah oui. Vas-y. Mais un autre compteur aussi, le compteur de bugs. Non merci, un compteur c'est suffisant. Ouais. Oui, parce que toi, t'es un grand flemmard niveau montage, hein. Ouais, bah attends. C'est bien connu, hein, Toto de la PS1. Eh oh, c'est parce que j'ai pas les bons logiciels. Mais c'est pas que t'as pas les bons logiciels. Bah si, j'utilise comme le maker. Mais, ah, oh, c'est quoi? T'es sous l'eau. Ah, mais comment ça marche cette. Tu peux y aller. Ah, d'accord, en fait, c'est juste que ça rame. Oui. Ah ouais d'accord, ça se pilote comme un avion ça. Tu profites de faire tes trailers sur un de tes amis mais aussi un gars qui a un peu d'expérience, c'est-à-dire moi. Sur la chaîne d'un de tes amis et un gars qui a un peu d'expérience, c'est-à-dire moi. Toi? Bah attends, ça fait comme un an que je fais mes vidéos, c'est bon j'ai un minimum d'expérience. Oui enfin avec la qualité de caméra, oh, c'est bon. Les montages. Non la caméra est bonne encore, c'est bon à filmer. Bon c'est vrai que sur PS1 t'as pas beaucoup de trucs. Pour filmer quoi, y a pas de logiciel pour filmer sur PS1. Ouais. Donc je comprends quand même. Un minimum de compréhension, Bernard. Voilà. Adepte du rock. Ouais. Non, du métal plutôt. Bah, moi c'est le rock. Toi, c'est du métal. Bah, métal, hein. Three Days Grace, c'est du métal. Oui, c'est un peu du rock aussi. Ah, ouais, ce moment est abusé. Bon, normalement y a des looms, mais bon, enfin après faut. Oui, bah, c'est parce que je les ai déjà chopés. Ouais, c'est vrai. Au pire, t'as déjà du tout d'énergie, ça sert à rien que tu chopes. Ouais. Mais je suis gourmand. Bah, hey, tout à l'heure, j'ai quand même bouffé 2 paquets de gâteaux. Enfin, revenons au jeu. Oui. Alors, personnellement, ce jeu, ce que je préfère, c'est le scénario qui est incroyable. Il est bien fait, il est bien réfléchi. Le moindre level, aucun level n'est vraiment inutile, en fait. Il a chacun son importance, à part peut-être quelques-uns. Et vraiment très peu. Les ennemis aussi sont pas mal. Je trouve que les ennemis sont Les ennemis de Rayman sont beaux. Ah, ils sont super bien imaginés. Je trouve que les robots pirates, s'ils devraient faire une suite à un autre Rayman, c'est ouais, bon. Mais ils n'auraient pas le temps. Il y a Rayman Origins qui est sorti. Oui, mais voilà, c'est autre chose. Mais comme à la fin de ce jeu, bon, je spoil un peu. Pas grave. Bah oui, parce que c'est un jeu de PS1. Personne le désire maintenant. T'en fous. Et moi, je spoil tous mes jeux. Ouais. Mais à la fin, tu vois, Barbe Tranchante, le méchant principal, ouais, bah, s'enfuit. Et là, il pourrait le faire revenir. Enfin, je sais pas, il pourrait faire un scénar un petit peu. Ouais, plus. Même un nouvel ennemi. Un nouvel ennemi. Bah oui, Barbe Tranchante, c'est bon. Mais en fait, ils ont. Ah non, c'est vrai, il y a plus. Je crois qu'ils en ont fait des autres Rayman avec des robots pirates. Ah, dommage. Ne vous inquiète pas, normalement, la bombe arrive. Voilà. Voilà. Vas-y, continue. Mais, ils ont déjà fait un. Ah, attends, faut que je me concentre parce que là j'aime pas ce moment, surtout avec cette manette là qui ouais. Bon, je vais quand même essayer de parler en même temps.
Ils ont fait un autre jeu avec les robots pirates sur Rayman, c'est Rayman M ou Rayman Arena, une connerie comme ça. Non, je n'ai pas vraiment vu. Ah, c'est sur PS2. Mais franchement, le jeu était nul à chier, quoi. T'avais pas, c'était plus du Rayman. Enfin, si, c'était du Rayman, mais... Rayman, disons qu'il a des jeux qui l'ont un peu ridiculisé. Hein. Ouais, Rayman et la pâquerette, hein. Oh, bah là, c'est le top du top, on vous aurait pas pu. Ah ouais, mais putain. Mais merde. Je trouve quand même que les jeux PC de Rayman, à part bien sûr Rayman 2, sont les plus pourris de tous les Rayman. Jeu PC? Bah, je trouve que Rayman Origin, il était bien. Enfin, ça reprenait les classiques de Rayman, mais bon, voilà, quoi, c'est vrai que... Mais putain. Oh, t'es arrivé. Mon Dieu. Oh là là, ouvre-toi Sésame. Donc tu disais que les jeux PC de Rayman, à part Rayman 2 quand il était refait sur PC, et peut-être Rayman Origins, je sais pas, sont vraiment les plus pourris de tous les Rayman. Vous vérifierez. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu, bon... Bah, en fait, il y a beaucoup de jeux éducatifs, et franchement, à part... R2 Ah oui, c'est vrai. T'es pas habitué à la PS1, hein. Non, c'est que j'avais déjà joué au jeu de PS1 comme ça. Quoi? Comment ça tu m'as repéré, espèce de... Bah attends... t'inquiète pas... Ah bah oui, ça se voit que t'as déjà fini le jeu. Ah bah non, je suis dernier niveau. Mais par contre, t'es un boss... enfoiré. Bah oui, avec son golem là, son... Ah ouais, mais attends, son golem... Son grolgot. Non, ce qu'il y a, c'est... Le pire, c'est d'aller jusqu'à la lave. Ah oui, c'est vrai, avec... Mais la lave, c'est vraiment pour... Non mais en plus... La lave, tu tiens pas, t'as trop de trucs et tout. Bah attends, franchement... Avant de parler, avant de rager sur ce connard, on va dire. T'inquiète pas, y aller. On va plutôt parler des défauts de ce jeu parce que. Oui. Il a beau être excellent, ça a beau être un bon jeu de PS1. Tu lui mettrais combien? En sur 20, tu lui mettrais une de combien? En sur 20, je pense que niveau. Bon. Si je parle que du jeu de PS1, je pense que je lui mettrais. Bon, comme c'est une qualité PS1, on peut pas trop. Voilà, quand on peut pas trop lui demander. Tu vas souffrir, tu vas mourir, tu vas morfler, tu vas... Mais t'es pas encore en mode combat, donc je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, mais t'es pas en mode combat, là tu vas être en mode combat, donc là tu peux... Ouf. Vas-y, continue, donc tu mettrais combien? Donc ouais, avec la qualité PS1, je pense que, bon, je mettrais quand même... 15. Ouais, bah, j'aurais mis 16, hein. Je suis un peu plus gentil. Et encore, tout le monde me connaît. Enfin non, tout le monde me connaît pas, mais tous ceux qui connaissent mes tests savent que je suis pas forcément quelqu'un de gentil. Je pense que je vais mettre un petit montage. Pour? Bah justement, pour montrer ma gentillesse. Crève putain, etc. Ah mais t'inquiète pas. Non, je vais pas le faire parce que j'ai prévenu. Mais je le ferai peut-être une autre fois. Bon, t'inquiète, moi aussi. Voilà, prévenu. Oh, je suis un ninja quand même. What the... Rayman le ninja. Bah, je suis sûr, tu vois, il y a les trucs qui... J'ai pas... fini le niveau, donc regarde, t'as rien à faire, t'as juste à attraper. Ah, tu vas finir le niveau. Juste que tu t'agrippes à ces machins et puis ces machins qui ne serviront pas de... qui serviront plus. Et là voilà, t'as fait. Tu vois, je pense que... Ah ouais, c'est vrai. Tu crains pas l'échelle et je crois que t'as juste un gros... Ah mais il était 3 fois plus long sur PC. Mais en même temps, quand tu finis le niveau, il est beaucoup plus rapide. Faut que tu le battes. Allez. Ah, les musiques aussi sont excellentes. Hein, oh ouais, rien à dire. La canopée aussi, c'est un bon niveau ça. Donc, je disais quoi déjà? On a plus le temps de faire un autre niveau, mais... Après, si tu veux, on pourra faire un autre épisode. Ah oui, je disais... Tu vois les lasers là qui passaient là? Ouais. Mais Rayman, il est bête ou quoi? Je veux dire quoi, il a pas de jambes. Le laser, il passe, ils sont pas censés... Sauvegarde. C'est pas la peine. Ouais. Oui. Ouais. Donc, bah, la suite au prochain numéro, on a plus trop de temps. Ouais. Eh, écoute, un salut!